Et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous vous souvenez de ma géante toile de chez Manu Rachel Store, La Belle et la Bête. Donc, je vous ai mis l'image en gros sur la miniature de la vidéo parce que je pouvais pas la mettre en plus petit. Mais en fait, c'est une toile tout en longueur. Donc, je vais pas réussir, je pense, non plus, à vous l'afficher entièrement avec le logiciel de montage sur la vidéo. Mais je vais vous mettre le lien. De, de de cette toile dans la description donc elle vient de chez Manu et Rachel Store sur le site AliExpress je vous avais fait une vidéo unboxing euh, et puis euh, voilà on se retrouve aujourd'hui après euh, après pas mal de jours c'est une toile que, que j'avais commencé en duo que j'ai décidé de poursuivre tout seul voilà c'est mieux comme ça j'ai j'ai décidé de poursuivre cette toile tout seul et donc du coup, elle a été mise en pause pendant quelques jours, cette toile. Parce que j'ai eu des, des petits imprévus, d'autres projets en cours. Et j'ai décidé de la reprendre euh, aujourd'hui. Donc on va faire un petit carré ensemble, blabla, on va dire. Et alors en fait, vous allez participer à la réalisation de ma toile. Alors, je m'explique. Euh, étant donné que c'est une toile qui fait 2 mètres de longueur, donc c'est la belle et la bête en vitrail, vous savez, en vitro, en vitrail, elle fait 2 mètres de longueur et 70 cm de largeur, sans les bords, euh, bah, c'est une toile qui est immense, j'en ai pour plus d'un an, ça c'est sûr, et donc du coup, je me suis dit, comme je vais faire cette petite toile tout seul de mon côté, pourquoi pas vous faire participer. Alors, Peut-être que ça changera au fur et à mesure, peut-être que ce ne sera pas toujours le cas, mais aujourd'hui, ce qui va se passer, en fait, c'est que je vais vous demander dans les commentaires de choisir un nombre entre 1 et 20. En fait, ce nombre, ça sera le nombre de cases que je devrais faire pour dans deux semaines. À peu près deux semaines, plus ou moins un jour, parce que des fois, on a toujours des imprévus, mais... Pour environ dans deux semaines. Là, aujourd'hui, on est samedi. Donc, on va dire que ce sera pour le week-end dans deux semaines. Voilà. Euh, donc, vous allez choisir un nombre entre 1 et 20. Et en fait, parmi tous les nombres, je vais faire un petit calcul de mathématiques. Je me souviens, on faisait ça au collège. Les moyennes. Parmi tous les nombres que vous, allez, vous allez me donner. Donc, je prends un exemple. Vous êtes cinq participants. Vous me donnez le nombre 5, 8, 2. Euh, 20 et 18. Voilà. Et ben je vais faire tous ces nombres-là, additionner tous ces nombres-là, et je vais le diviser par le nombre de participants, donc 5, et le résultat que je vais avoir, euh, je dis une connerie, hein, 14, et ben ça sera le nombre de cases que je devrais faire pendant deux semaines. Voilà. Donc euh, si vous voulez me lancer un petit défi, bah vous mettez un chiffre entre 1 et 20. Donc si vous êtes gentil, vous mettez 1, et si vous êtes méchant... <laughs> non je plaisante vous mettez vraiment le chiffre que vous voulez n'ayez pas peur de mettre des grands des grands chiffres n'ayez pas peur d'aller jusqu'à 20 de toute façon c'est un défi donc au pire des cas je ne relèverai pas le défi mais le but quand même c'est que je le relève donc euh... donc voilà c'est comme ça que ça va se passer je pense que je vous ai tout dit et puis là on va commencer par euh... on va faire un petit peu cette case là alors oui alors au niveau de la poste des diamants bah, je vais vous en parler mais ça se passe euh... Plutôt bien, même très bien, j'ai envie de dire, euh, avant, ce que je voulais vous faire voir. Donc, vous voyez, j'ai fait uniquement que trois cases. Je précise que les cases, c'est des cases de 8 cm sur 8 cm. Je vais garder ce concept parce que euh, j'aurais plus tendance à faire des cases de 10 cm sur 10 cm. Mais cette toile, elle a 120 couleurs et elle est très, très, très Confetti. Alors, vous voyez, il y a des grandes zones, là, par exemple. C'est du noir, c'est le contour. Mais quand on arrive euh, ici, dans, dans cette zone-là, bah, on va se retrouver avec euh, trois, euh, juste 4 quatre, quatre couleurs, enfin, 4 diamants d'une couleur. Ici, on a 73, on a 15 diamants. Et c'est partout pareil. Parfois, on sort une couleur juste pour poser 1, 2, 3 diamants. Vous voyez, le 6, on a 4 diamants. Et, et dès qu'on arrive à cette zone-là, en fait... C'est la plus longue, même si c'est la plus petite dans son carré. Oula, en fait, j'avais pas dézoomé. Même si c'est la plus petite, vous voyez Ça, c'est la plus petite zone par rapport au noir. Eh ben, c'est quand même celle qui va être la plus longue. Euh, on va dire que pour un carré de 8 cm sur 8 cm, je mets environ une heure et demie. Sans pause. Hein. Voilà. Euh, alors, voilà. J'ai préparé ma valisette dézoome un peu donc j'ai préparé ma valisette euh, vous l'avez pas vu hein, il me semble non 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 vous avez vu que l'unboxing de toute façon donc voilà c'est une valisette de 140 compartiments et mes 120 couleurs elles sont rangées euh, par contre je me suis aperçue qu'il me manquait une couleur je sais plus laquelle d'ailleurs il faut que je regarde en l'air ah oui c'est celle là il me manque la couleur numéro 60 euh, je vais quand même vérifier dans mon petit dans ma, il faut quand même que je vérifie dans ma petite boîte parce qu'en fait bah, j'ai énormément de restes de sachets de diamants forcément la toile est très grande et les piluliers sont petits donc euh, j'ai énormément de, de, de restes j'ai mis tout dans un bac et je me suis dit peut-être que je suis passée à côté d'une couleur il est un petit peu brisé d'ailleurs ce pilulier peut-être que je suis passée à côté d'une couleur et que finalement je l'ai quand même c'est pas très grave c'est une couleur avec deux sachets donc en gros la moitié du récipient donc euh, par contre j'ai pas envoyé de mail à, à Manu Rachel Store parce que je suis pas sûre. Et c'est vrai que j'aurais dû vérifier avant, mais je ne l'ai pas fait. Donc euh, il faut que je vérifie. En tout cas, mes 120 couleurs, elles sont là. Elles sont trop belles. Hein. On est sur des couleurs vives. Euh, franchement, trop canon. Donc j'ai tout numéroté au postcard. Ça m'a mis énormément de temps à ranger toutes les couleurs. Franchement, j'ai mis au moins 4 heures. Vous imaginez, 120 couleurs. Euh, avec à chaque fois euh, énormément de sachets, forcément. Hein. Mais. Euh, mais maintenant, c'est que les parce que tout est rangé. Alors, regardez ce que j'ai fait. Donc, c'est. il me semble que c'était deux ou trois feuilles qu'il y avait. Et en fait, j'ai découpé les tableaux de DMC parce que maintenant, je plastifie mes, mes tableaux de DMC pour que ça reste bien solide, surtout pour des grandes toiles comme ça, en sachant que le tableau, il se situe que sur un côté du... tout en haut, en fait, euh, de ma toile. Donc là, ma toile, elle est enroulée. Vous voyez, là-bas, elle est enroulée, ma toile. Elle est toute enroulée. Donc du coup, bah, je ne vois pas le haut. Forcément, elle fait deux mètres. Donc du coup, euh, bah, quand je suis en bas, comme là, euh, je peux pas, je peux pas voir le tableau. Donc je l'ai bien plastifié parce que je m'en sers du coup extrêmement. Surtout qu'on change toujours de couleur. Donc je suis sans arrêt en train de chercher mes couleurs dessus. Et euh, j'ai découpé les tableaux, en fait, pour éviter de devoir plastifier trois, deux ou trois grandes feuilles. Je me suis dit, je vais découper les, les tableaux. Je les ai superposés les uns sur les autres. J'ai même découpé la petite image que je suis venue poser ici. Et comme ça, j'ai plastifié. Et euh, bah du coup, ça passe très bien ici. Et comme ça, je suis tranquille. Voilà. J'aime bien comment je me suis organisée. C'est tip top. Donc, je vais sortir ma petite barquette. Hop. Voilà. J'ai mis ma tablette lumineuse. Alors, <laughs> il faut savoir que bon, c'est pas, pas la largeur hein, qui est le plus impressionnant, c'est vraiment la longueur. Et comme c'est enroulé, vous le verrez pas. Mais de toute manière, je vais vous remettre la, la, la vidéo unboxing dans la description. Voilà. Euh, alors qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Oui, voilà, c'est ça. C'est que pour faire, vous voyez le scotch que j'ai mis sur toute la largeur et les six cases que j'ai séparées là, j'ai usé un rouleau de scotch en entier. Mais euh, j'aime trop travailler comme ça maintenant. C'était la première fois que je travaille comme ça. Et j'aime trop. Donc du coup, je pense que même si j'utilise 20 rouleaux de scotch <laughs> pour cette toile, je vais, euh, je vais travailler comme ça. Alors, je vais sortir mon cutter. Hop, un stylet. Alors là, il y a de la glue dots. Euh... Touk, 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 touk. Ah bah tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé avec celui-là. C'est celui que j'ai fait en pâte Fimo, que j'ai customisé. D'ailleurs, je vais vous dézoomer dé pour revenir à la normale. Voilà. Toc, 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 ma pince. Ma pince. Et je crois que j'ai besoin de rien d'autre. Ma barquette. Ah non, je vais prendre ce stylet là, j'adore. Je vais prendre celui-là. Alors, je vais y arriver. Et ma cire, ok, on est tout good. Donc, là en fait, euh, je vais essayer de ressortir l'image, mais vous n'allez pas bien voir. Euh, vous voyez, c'est ça le modèle. Hein Donc là en fait, vous ne voyez pas, c'est hyper flou. Mais on se situe en bas de l'image et on a en fait plein de roses, des belles roses. Et là, vous voyez. Il y a la moitié des roses qui a été faite. Et là, et là en fait, quand j'aurai fini cette ligne-là, on, on verra les roses en entière. Donc, je vais passer au-dessus. Et puis ensuite, je travaillerai comme ça, en fait. Je pense que je vais faire trois en bas, trois au-dessus, trois en bas, trois au-dessus. Jusqu'à temps que j'ai fini mes deux lignes. Euh, alors, du coup, c'est parti, on y va. Euh, attendez, je réfléchis parce que... Euh, tout Ouais, celui-là, je le reste. C'est encore un peu flou, les scotch, pour moi, la logique des scotch. Celui-là, je le laisse coller. Euh, celui-là, je le laisse coller. Et je décolle celui-là. Oui, c'est ça, je crois. <laughs> je crois que c'est ça. Allez. Alors. Je fais comme ça au cutter. Je sais que ça doit en faire peur plus d'un. Parce qu'on a toujours peur de couper sa toile, mais moi j'ai toujours fait comme ça. J'appuie pas comme une grosse brute, mais bon, en même temps le cutter est neuf donc il coupe bien. Et c'est vrai qu'il faut. Je dis toujours ça, mais à chaque fois j'y pense jamais. Il faut que j'achète des cutters spéciaux pour les toiles. Un jour je vais couper ma toile et je vais être deg Surtout que là, j'arrive pas à bien couper. Alors. Voilà. Je vais commencer je pense avec vous parce que forcément on va pas faire tout le carré ensemble bah, sinon ça ferait une vidéo d'une heure et demie, deux heures. Alors, je vais essayer de vous zoomer un petit peu dans la mesure du possible. Parce que le pied, je le pensais super bien, mais en fait, au fur et à mesure, je me rends compte qu'il n'est pas toujours pratique. Vous savez le pied que je vous ai présenté de chez Action. On peut pas filmer de très haut et je peux pas placer mon téléphone vraiment quand je, comme je le veux. Alors. Il faudrait que j'achète Que j'investis dans un bon pied quoi. Surtout que la lumière elle est pétée sur ce pied Bon ça c'est de ma faute par contre Parce que du coup je m'en sers partout de ce pied là Et euh, j'ai dû euh, Je m'en sers quand je fais la vaisselle Pour regarder des vidéos Et à tous les coups euh, vous voyez Il y a un, un câble Alors USB Qui est enroulé autour du pied Pour régler les lumières Et euh, je pense que ce câble là il a, il a pris l'eau Donc bon voilà. Alors, par quoi je vais commencer D'habitude, je commence par le noir. Allez, on va faire un petit peu le noir. À moins que je fais, euh... À moins que je vais un petit peu dans les couleurs. Parce que faire que du noir, pour vous, ça va être un peu lassant. Allez, on va faire le 27. Alors, à chaque fois, je passe 3 heures <laughs> à chercher mon numéro euh, sur ma petite fiche. Donc là, c'est le symbole 27 voilà, 27,53 euh, toc faut s'y remettre hein. hier c'était Spell Queen que je diamantais ma toile de Spell Queen, 24 couleurs donc voilà j'en ai juste 96 de plus <laughs> ok, let's go vous voyez bien ouais, je, peux, je peux pas vous mettre mieux de toute façon J'espère que ce n'est pas trop zoomé. Alors, comme d'hab, j'ai le téléphone en face des yeux. Ok, on est parti. Alors, on va parler un petit peu des diamants carrés de chez Manu Rachel Store que je n'avais jamais testé. Sachant qu'on a pas mal de noir, hein, on le sait chez les vendeurs. Euh, du, on a toujours du mal à avoir du noir et du blanc parfait. Alors, on a quelques petits écarts à certains endroits. On les voit d'ailleurs apparaître. Vous voyez, là, on est dans le haut. On les voit d'ailleurs apparaître là, mais attention, ma tablette lumineuse, elle est allumée sur euh, la lumière la plus forte. C'est-à-dire que quand j'éteins ma tablette, bah là, ça va être chaud parce que du coup, voilà. Quand j'éteins ma tablette, vous voyez, et qu'on regarde, donc là, on est de près, hein. Donc déjà de près, je trouve ça très bien. Mais en plus, si on regarde de loin, bah vous voyez la pose des diamants, elle est nickel. Franchement, c'est tip top. Regardez. Moi, j'ai rien, même le noir, hein, on ne voit pas des écarts de malade. Je vois même pas d'écart là comme ça à vue d'œil. Je ne vois même pas d'écart dans le noir. Donc je pense que si ça serait blanc, ça serait pas la même histoire. On dit toujours par exemple, quand on a des formes euh, plutôt s'habiller en noir qu'en blanc parce qu'on voit moins. Et ben là c'est pareil en fait le noir on voit moins les, les écarts. Mais même avec la tablette. On va rallumer la tablette. Voilà. Vous voyez, en vrai, il y a des petits écarts. Mais on les voit pas sans la tablette. Et franchement, euh, je suis très satisfaite de la, de la... De la qualité des diamants. Franchement, il n'y a pas de soucis. J'ai pas de problème de... 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 de déchets. Attendez, je vous remets bien. Ah, ce pied, il n'est pas pratique. On nous fait croire qu'on peut le régler de bas en haut parce que c'est un, un, un câble qu'on peut tordre. Mais en fait, non, dès qu'on le met trop bas, il reprend sa position initiale. initiale et dès qu'on le met trop haut, bah, avec le poids du téléphone, il se, il se rebaisse. Donc, c'est pas si tip-top que ça. Mais bon, ça ira. Hop Mais oui, j'aimerais bien acheter un pied. Mince. Mais euh, voilà, le truc c'est que je sais pas trop quoi prendre si je prends avec une pince qu'on attache à une table. En même temps, c'est pas pratique parce qu'on peut pas toujours accrocher la pince aux tables. Euh, je sais qu'avec mon ancienne table par exemple, je pouvais pas. Avec celle-ci qui est une plus vieille table, je peux. Euh... Donc je me dis plutôt prendre avec socle. Je sais pas trop. Ou bien avec trépied, je me dis. Mais bon, avec trépied, moi, c'est pour filmer des plans de travail, on va dire des plans. C'est pas pour faire des tutos make-up où je dois me filmer, par exemple, moi de profil. Donc on verra bien. En tout cas, je veux un pied qui fasse de la lumière. Quitte à mettre 50 euros. J'avais acheté un pied sur... Un... Donc celui-ci d'action, de, 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 il vaut, je ne sais plus, 12 ou 13 euros. J'avais acheté un pied sur Amazon avant celui d'action qui valait à peu près 20 ou 25 euros, 22 euros je crois. Donc c'est avec une vis à visser sur, euh, sur euh, la table. Alors celui-ci, je vais l'enlever parce qu'il y a un petit trou dans le diamant. Mais euh, c'est un grand barbu, il m'a fait rire. J'ai regardé une vidéo, euh, le, 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 le monsieur, j'allais dire comme s'il avait 50 ans, <laughs> le garçon qui filme, qui a une chaîne YouTube, un grand barbu qui fait des, euh, des, du diamond painting, etc. Et il appelle les diamants qui y a des, à l'intérieur, il y a des petits trous. des Comment il dit Des diamants fromage, je crois, un truc du genre et ça m'avait fait rire. Du coup, maintenant, j'appelle ça des diamants fromage. <laughs> voilà, pour la petite histoire. Donc oui, mon pied d'Amazon, très bien, mais euh, je l'ai pété. J'ai pété le truc où on visse. Euh, donc, euh, je... en même temps, je que je suis un peu brutus. Hein. Ça, je ne vais pas le cacher. Je ne suis pas toute douce, délicate. <laughs> il n'y a que dans mes activités manuelles où j'arrive à avoir de la... Et pour mon fils aussi. Et un petit peu pour mon mari. <laughs> que j'arrive à être tendre, à être douce, quoi. Mais dans ma vie en général, quand il y a un truc que j'arrive pas à faire, paf, je vais forcer et puis ça va péter. Voilà. Oh lolo Donc on avait du, du super temps, un grand soleil euh, pendant une semaine. On sortait en t-shirt dehors et, euh... <laughs> et hier soir on s'est retrouvé avec un degré et de la neige dans le Pas-de-Calais, quoi. Truc de ouf. Il caillait à mort quand je sortais, son il caillait à mort. Alors ça il caillait, je sais pas si on dit ça dans toute la France ou c'est ou si c'est typique du Pas-de-Calais. Il caillait. Ben, je crois que tout le monde dit ça. Ça, ça, veut, ça veut dire qu'il faisait très froid, quoi. On se les caillait. Et quand je sortais sur le balcon, j'étais frigorifiée et je me disais, mon Dieu, mais il y a trois jours, j'étais en t-shirt dehors. Alors. Vous voyez maintenant, je ne cherche pas à replacer mon diamant et à le faire glisser sur la colle pour le replacer parce qu'à chaque fois, il se remet à la place où je l'ai mis. Donc, je le décolle. Et je le recolle. Euh, ça, je remplirai avec mon stylet que je vais prendre tout de suite d'ailleurs. Donc voilà, ouais, on a eu de la neige. Euh, je suis sortie d'ailleurs pour aller faire des courses avec mon fils en poussette. Il faisait frais, hein, mais il y avait un grand soleil. Bah alors, la colle ne veut pas venir. Ça y est. Mais il y avait un grand soleil. Donc on avait manteau, etc. Mais bon n'avait pas d'habits prévu pour la pluie quoi et d'un seul coup il s'est mis à pleuvoir mais d'une puissance et il a commencé à tomber des, des de la neige fondue j'étais frigorifiée. j'avais mes, mes oreilles glacées et j'avais l'impression comme quand on fait du ski et qu'on monte en altitude vous savez on a mal aux oreilles à l'intérieur comme dans les tympans et là j'avais pareil donc ouais ça le temps Aujourd'hui il y a un petit peu de soleil, bon là il est parti, mais il neige plus. De la neige quasiment début avril quoi. Alors, je regarde un peu où j'ai du 27 encore. Voilà, donc je me suis dit que ça serait pas mal de faire ce genre de défi. Euh, après euh, peut-être qu'il y a des, des semaines où je ferai tout seul de mon côté et peut-être aussi qu'on qu'on changera un petit peu je sais pas avec un des enfin j'ai des idées plein la tête mais euh, mais là ça, ça, ça m'est venu tout seul hein. c'était pas du tout prévu que je filme aujourd'hui euh, je voulais encore faire quelques cases sur cette toile avant de filmer et, et d'un seul coup j'ai eu une pulsion j'ai voulu filmer je me suis dit allez même si t'as publié hier et donc, du coup, j'ai dit, ah bah tiens, je vais sortir ma, ma toile ma nuit, c'est le moment. Je l'avais mis en poste pendant quelques jours, et puis là, euh, là j'ai envie de retravailler dessus. Alors, je me suis dit, mes petits abonnés, on n'est jamais mieux servi que par ces abonnés. <laughs> donc, du coup, ils vont, me, ils vont me donner un petit coup de boost. Voilà, donc, ouais, vous pouvez vous donner un chiffre entre 1 et 20. S'il y a 10 participants, je ne sais pas, 15, 5, 20, eh ben je, ferai, je ferai une moyenne. Alors attendez, parce que je ne sais plus qu'est-ce que je, je suis en train de faire. 53, 27. Pff, mon cerveau y a bugué. Moi, j'ai plus de 27. Non. Alors maintenant, je vais faire. Le R. R. Numéro 1. Donc je me dis qu'à force de regarder les couleurs et de les chercher, je vais commencer à prendre l'habitude de savoir où elles se situent. Parce que parfois je peux rester, surtout quand je commence à être fatiguée, je peux rester 30 secondes plantée sur ma fiche comme ça à chercher le bon symbole. Alors le R. Voilà, donc cette petite toile, je la poursuis toute seule. Ma, ma peinture par numéro aussi, que vous avez vu euh, récemment sur ma chaîne, je vais la poursuivre aussi de mon côté. Et c'est bien mieux comme ça. Bien sûr, hein, mon défi avec ma petite Isa, <laughs> il est toujours présent et il y sera toujours, il n'y a pas de souci. Ça se passe très très bien. Et puis il n'y a pas de raison que ça se passe mal avec Isa. C'est une personne très respectueuse, qui se prend pas la tête, en tout cas sur ce genre de projet, je veux dire. Et puis, euh... et puis c'est une personne gentille avec un, un qui a le cœur sur la main. Ça c'est sûr que je le dirai jamais assez, mais euh... alors R. Vous voyez quand je fais ce genre de choses, j'ai dans ma tête ça fait. R, 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 R. Pour ne pas oublier le symbole que je suis en train de faire. Donc voilà, maintenant je réfléchirai à deux fois avant de me lancer dans des défis, dans des quatuors, dans des n'importe quoi. Je réfléchirai à deux fois et, euh, et je pense que je suis bien mieux tout seul de mon côté. Comme ça, j'ai pas de risque d'être déçu par les personnes qui m'entourent. Voilà. J'en dirai pas plus, mais... Hop là vous voyez, là j'ai pris les plus gros symboles à peu près à du dé. Il y en a, il y en a quand même quelques. Le dé. Dites-moi stop. Hein. À chaque fois je me dis, et je retourne et je recommence. Ça veut dire que je l'ai loupé. Hein. Ah, il est là. 12 c'est ça euh, D donc voilà vous allez plus c'est ça que j'étais en train de dire vous allez avoir plus que un euh, truc en commun on va dire sur ma chaîne un défi c'est avec Isa. Voilà, maintenant je, perf... je ne préfère pas prendre des défis, des, des, des duos, des, des quatuors, des. peu importe. Euh, voilà, je préfère rester tout seul de mon côté et puis. Euh... Et puis voilà, c'est bien mieux comme ça. Et pff, voilà, le, le jour où je refais quelque chose, ça sera à la rigueur un petit duo coloriage mystère. Comme ça, ça ne dure pas longtemps. Alors, D. Hop. J'en ai en haut. Moi, j'adore travailler à la pince quand je vais faire des grandes zones comme ici. Là. Je, travaille, je fais le damier et je kiffe. Je regarde si j'en ai pas oublié parce qu'à chaque fois, déjà qu'on sort beaucoup de récipients différents pour une même zone, pour une même, pe une même petite zone. Alors, comme ça m'arrive régulièrement d'en oublier, bah, parfois je sors deux fois le même récipient, la même couleur pour la même zone. Ça, ça m'arrive souvent. Donc, j'essaie de bien regarder. Je crois que c'est bon, vous en voyez encore, Malo? On peut pas te répondre, <laughs> je sais, je sais. Alors, non, moi j'en vois plus. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le plus. Alors, j'ai conduit tout euh... que. Vous savez, le jour où je, vais je vous ai tourné justement dimanche la vidéo des filles. Non, c'était pas dimanche, c'était lundi. Et juste après, je conduisais. Donc j'étais très stressée. D'ailleurs, le fait d'avoir tourné, ça m'a complètement déstressée. Et euh, la preuve, c'est que j'ai bien conduit. 86. Alors là, je vais devoir sortir ma deuxième barquette. Vous voyez, ça c'est pratique. Hein je les prends comme ça. Je les pince. Les pauvres. J'ai déjà oublié mon plus. 86. Et euh, ouais, ouais, ça, ça, ça s'est bien passé. Donc, je fais des erreurs. Hein. Comme ça, c'est normal. Hein. Je veux dire, Malo qui fait pas d'erreur J'ai quand même failli griller un feu rouge. Mais il venait de passer au rouge. Et moi, je me concentrais sur des piétons qui hésitaient à, à traverser. À traverser, Donc, je me disais, faut pas que je les écrase, les pauvres. Donc, euh, mais, mais le feu est passé au rouge. Et moi, je regardais mes piétons à gauche. Donc, la monitrice a pillé. Mais franchement, j'ai bien conduit. Ça s'est bien passé et j'ai appris à faire. Euh... Donc, on va faire un, un, une petite révision. Donc, on a les rangements en, bata en bataille. Les rangements en bataille, comme ça. Donc, notre véhicule, il est tout droit, comme ça. Et on. Oula, j'ai une alerte batterie. Euh, notre véhicule, il est tout droit et on doit reculer pour se garer comme ça. Donc, voilà, j'ai appris à faire ça. Les, range les rangements en bataille. Euh, et je m'en suis bien sortie. J'arrive à maintenir mon embrayage Comment ça s'appelle, le point de patinage Eh, ça y est, Malo, c'est devenu une pro. Hein. J'arrive à... à relever un petit peu mon embrayage et le laisser stabiliser pour vraiment reculer au pas, quoi. Vraiment reculer tout doucement. Et ça, elle m'a dit, c'est bien, parce que souvent, les élèves, ils, ils, ils ont du mal et puis ils reculent à toute allure. Et du coup, bah, c'est moins facile de ne de, de pas se prendre... Une automobile Alors qu'est-ce que je cherche Mon stylet. Donc ça a, ça a été. Après j'ai fait des erreurs euh, comme d'habitude. Hein. Mais en fait je commence. Ça y est, je commence à avoir un petit peu de logique euh, quand je recule mon véhicule. Et si mon cul, si le cul de mon véhicule il est à gauche et que le devant de mon véhicule il est à droite et que je veux me remettre droit, moi je ne savais jamais par où il fallait que je tourne mon volant et un tour à droite et deux coups, tours à gauche. Oh Ce qui fait qu'au final, je tournais mon volant partout, puis ça donnait rien, quoi. Donc je on est, on est quelques jours, on est samedi. Hein. Je reconduis jeudi après-midi à 14h. Plus 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 où es-tu Bon tout en sachant que là j'ai fait que trois cases, je reviens au défi que vous allez me lancer. Ne vous dites pas euh, trois semaines elle a fait trois cases, on va pas lui on va on va lui donner un ou deux parce que ça ne va pas aller pour elle. Non, non, c'est juste que je n'ai pas beaucoup été sur cette toile, hein, très honnêtement. Bah, J'y suis allée trois après-midi. Et puis il y a eu deux semaines où j'ai quasiment rien fait à part ma toile avec euh, Isa. Et même avec Isa, j'avais fait que cinq cases. Parce que j'avais eu plein de trucs à faire. Alors. Mais là, ça y est, je suis repartie dans le, dans le, dans le mood. J'ai plus de plus, hein. Non. Et vous voyez, on a 26, on a 25, on a 24, 23. C'est un truc de ouf cette toile. Mais franchement, elle va envoyer du lourd quand elle va être finie. C'est une image. Je la vois régulièrement sur les sites de, parten sur les sites de partenariat. Je dis une connerie, hein. je ne suis pas sûre qu'elle est sur ce site-là. Mais genre Pain Some Way, Wendy Saving, Goodfell, tous ces sites-là. Je la vois régulièrement, cette toile-là, et il la propose en 60, euh, 50 cm ou 60 cm de largeur sur 90 cm de longueur. Elle en fait 1m de plus, vu qu'elle fait 1m90. Donc, ouais, ça va être top. 85 cm. 108 Et Emmanuel Rachel Starr, hein, si vous ne connaissez pas ce vendeur, il est réputé pour, euh, pour faire des toiles avec beaucoup de couleurs. Donc ça, c'est pas impersonnalisé. Hein. Je vais vous mettre le lien de toute façon. Alors attendez, 85. Euh, ouais, pour faire des toiles avec euh, un grand nombre de couleurs. Donc effectivement, hein, on est sur 120 couleurs là. Et c'est pour ça que je pense que ce vendeur, pour tout ce qui est image du style Disney, où est-ce qu'on a des, des couleurs vives, même d'ailleurs pour des paysages, n'importe quoi, hein, même des, des portraits, par exemple, des personnalisés, des portraits, euh, mais tout ce qui est Disney, euh, pff, plein de couleurs comme ça. Alors c'est du travail. En plus d'être une grande toile, il y a des confettis, mais, euh, mais à la fin, on est heureux, quoi. Donc j'ai hâte. Rien que là, les roses, je kiffe parce qu'on commence à les voir euh, se former. Mais alors quand je vais arriver dans le bas de l'image avec euh, la vaisselle, et quand je vais arriver là, il y a la bougie, euh, et puis dans la robe jaune, tout en fait, tout. Les, les visages, tout. Alors, je, je galère aujourd'hui. Mais c'est ça cette toile. Des fois, je reste planqué, plantée dessus pendant 10 secondes. Il y a tellement de symboles. J'ai plus l'air de voir des 85. Non. Alors au niveau du point de croix, c'est ça que je vais vous dire, j'ai démarré le petit oreiller. Euh, vous savez, l'oreiller euh, avec les deux chats qui s'entrelacent la queue et qui sont sur le toit d'une maison. Avec un ciel bleu nuit. Euh, P, je vais faire Non, plus. L'autre, plus. Et donc, du coup, j'ai démarré cet oreiller-là avec des grandes zones. C'est pas du tout confetti. Et euh, j'en ai fait deux casse pour l'instant. Donc, du coup, j'ai dû tout découdre la tête d'oreiller sur le tour. Et quand je vois comment ça a été cousu, c'est-à-dire très bien hein, par une machine, il y a des trucs qui sont pliés, tout à droite, à gauche. Je me demande comment je vais bien le remettre. Limite, parce qu'il faut que je m'achète une machine à coudre. Pas un truc de professionnel, un truc. Je ne sais pas si peut-être pour une cinquantaine d'euros, je peux en avoir une bonne. Ça serait pour, par exemple, recoudre des vêtements troués. Euh, bah comme là, recoudre mon oreiller. Surjeter mes toiles de point de croix qui ne sont pas surjetées. Euh, voilà des, des, des petites choses comme ça, quoi. C'est pas pour faire de la couture en mode professionnel. Donc, je veux une bonne machine quand même parce que bah, je veux qu'elle me tienne sur le temps, puis que je vais quand même m'en servir. Et puis, qui sait, peut-être qu'à l'avenir, je ferai des petits trucs de couture, on sait jamais. Hein. Euh, comme je vous ai dit, si un jour j'ai une fille, je veux lui faire des vêtements de Barbie, par exemple. <laughs> Donc, je veux qu'elle tienne sur le temps. Je veux pas mettre trop cher. Et, euh, et voilà donc j'aimerais bien je pense la prendre sur Amazon donc on verra bien on verra bien si vous avez une marque à me conseiller un modèle à me conseiller je suis preneuse c'est pas forcément pour tout de suite mais euh, de toute façon mon oreiller, je vais pas le finir tout de suite et puis même si je le finis tout de suite j'attends je pense que je vais attendre d'avoir une machine pour le coudre j'ai déjà plus de plus Là, vous voyez ah, C'est vraiment que les... Cette zone-là est longue. Hein. Alors, on va faire... Ça fait 36 minutes de vidéo. On va aller autour de 40-45 minutes. Et après, je vais vous laisser. Pour pas trop trop vous ennuyer. Je sais que des vidéos d'une heure, une heure et demie, ça peut vite être long. Alors, on va faire les hashtags. Hashtag envers. 32. Hop. Après je vais faire mon petit montage Justement je vais les mettre les hashtags Alors ça va être Hashtag diamond painting Hashtag défi Et hashtag Manu Rachel store Je ne mets, euh, mets pas 50 000 hashtags hein. J'en mets 2, 3, 4, 5 au maximum Elle est trop beau ce verre Ensuite on va faire le 16 le 27 donc voilà ouais j'ai démarré mon petit oreiller donc forcément je fais ma jasmine en, en défi avec Isa j'ai eu 10 10 cases à faire pour, pour dimanche prochain du coup dans une semaine j'ai ma toile, j'ai plein de trucs en cours. <laughs> je ne peux pas m'en empêcher. J'ai ma toile minée... Min, mini, je vais y arriver. Et Mickey, que j'avais commencé il y a un petit bout de temps, en 30 sur 30, que j'ai mis sur pause, je me suis aperçu que j'avais fait une grosse erreur. Il y a des confettis à un endroit où on devait mettre du violet clair et j'ai mis du rose. Euh, et du coup, je m'en suis rendu compte, il faut tout que je, que je, que je coupe au coupe-fil et que je refasse. Donc du coup je l'ai un petit peu mieux en pause mais je vais la reprendre. J'ai mon point compté en 30 sur 30 printemps. Donc ça par contre je pense que je vais en refaire ce soir. Ça fait un petit moment que ça me trotte. Et puis je veux la finir avant l'été parce que du coup en été j'aimerais bien faire celle d'été. Euh, on va faire les étoiles. Celle-ci, 89. Je suis une tarée, quand même. J'ai 120, 120 récipients devant moi avec des diamants dedans et une toile de 2 mètres. Alors. Hop. Oui, cette toile, si je devrais dire quand est-ce qu'elle serait finie, je ne saurais pas dire, déjà, parce que je ne sais pas à quel rythme je vais avancer. Mais je sais que ça va me prendre plus d'un an. Je pense que là, on est sur du un an et demi. C'est pour ça que je vais trouver des petits trucs pour, pour que ce soit plus sympa. Comme là, un petit défi. Vous allez participer avec moi. Et puis après, je ne ferai pas des vidéos, par exemple. Des fois, il y aura plus des vidéos tous les mois, par exemple. Au bout de dix mois, je pense qu'à force, ça... vous allez dire la belle et la bête, c'est bon, quoi. Alors, déjà fini. Moi, vous voyez, je suis pas... J'ai pas l'habitude de faire des toiles confettis en DP. Du coup, moi, ça y est, dès que je pars avec une couleur, je suis partie. Mais en fait, non, il faut... Tac, 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 tac. Ça, c'est une habitude à prendre. C'est-à-dire que limite, quand j'ai une ou deux couleurs, c'est aller prendre les diamants dans le récipient, les poser, refermer et passer à une autre couleur. Que reverser dans la barquette. Bon, c'est un truc à prendre, quoi. Là, c'est que le quatrième carré, ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait. Donc, 24,91. Oh là là, vous voyez quand je dis que je suis brute Mince Oh là 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 <laughs> Je fais tout tomber En fait, cette, cette valise, j'en suis contente. En même temps, j'en suis pas contente. J'en suis contente parce que c'est une valise de 140 compartiments et pour ranger 120 couleurs, bah, c'est le top. J'en suis moins contente parce que déjà, c'est des plus petits récipients que mes autres valisettes. Bon. Ça, à la rigueur, c'est pas grave, on les remplit. Mais parce que c'est pas un truc qui se dévisse. Vous voyez, mes autres balisettes, je m'en suis déjà servi plein de fois. Je les ai jamais pétées. Je dévisse. Mais là, il faut en fait tirer fort pour enlever le truc. Et donc, du coup, bah là, vous voyez, au lieu de prendre juste la partie blanche, j'ai appuyé sur le truc en plastique et euh, j'ai fissuré. Donc, va falloir que je fasse attention. Bon. Je vais mettre tout dans la barquette, ça ira plus vite. Regardez, j'ai fait des bêtises. Hop Voilà. Donc, du coup, je ne sais plus. maro, ça y est, elle ne sait plus. 91, 24. Voilà. On est reparti. Alors, on n'a pas de 24 là. Hop, ici Oui, donc faut absolument que je vois pour la couleur manquante là. Et puis honnêtement, si vraiment elle, elle me manque et que j'envoie un message à ma nuit, bah, je pense qu'il est trop tard. Donc au pire, c'est pas grave, je leur dirai. Euh, même si vous me faites racheter la couleur, euh, il me la faut, quoi. Mais franchement, comme c'est que deux sachets qui avaient tellement 120 couleurs, hein, donc je me dis à tous les coups, les deux sachets, je les ai pris, je les ai mis dans la boîte sans les ranger. Voilà, je crois qu'on a déjà fini pour les 24. Allez. Bon, bah écoutez, je vais faire une dernière petite couleur avec vous. Allez, on va faire le petit chapeau là. Le chapeau ou alors le. Non, la note de musique. Alors, la note de musique euh, 22. Regardez, ah, tous ces jaunes là. J'en ai plein des jeunes, hein. ça va être quand on va arriver dans les. J'en ai des tonnes. Quand on va arriver dans le détail de la robe. Alors, note de musique. Voilà. Donc là, on arrive à la fin de la vidéo parce que je vais faire encore cette, ce dernier symbole. Hop, je le rangerai après celui-là. Et donc du coup, n'hésitez pas à participer. Hein. Même si vous ne si me mettez que un chiffre. Euh... Voilà, n'hésitez pas à participer, comme ça j'aurai une grosse moyenne à faire, un grand calcul de mathématiques. Non, mais ouais, n'hésitez pas à participer. Et puis, euh, puis si vous voulez me mettre 20, vous mettez 20. Si vous voulez me mettre 1, vous mettrez 1, 5, 10, comme vous voulez, n'ayez pas peur. Euh, et puis on se retrouvera dans deux semaines sur cette toile. Alors. faut de la concentration pour cette toile. Hein. C'est un truc de ouf. Bon bah on dirait que j'en vois plus. Bon de toute manière, je vais pas vous retenir plus longtemps. Moi je vais laisser ma barquette comme ça. Bah, J'espère que cette petite vidéo blabla vous aura plu. Euh, et puis si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous en remercie. Et moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye